faire baisser la cote, hein, du de Treasure Beach, le gagnant du Derby d'Irlande, de 5,80 à 3,80. Et puis celle de Séville également, hein, de 19 à 13 euros le 4 avec Simus et Fernand qui est en selle. Méandre sera le dernier à pénétrer dans sa stalle dans quelques instants. On va assister, j'espère, une magnifique course. En tous les cas, on a ce qui s'est fait de mieux en 3 ans. Allez, départ imminent dans quelques instants. Stéphane, Bernard, ça va être à vous de nous faire vivre ce bel événement, ce beau groupe 1. C'est l'heure de vérité, les voilà partis pour les 2400 mètres de ce Jeunemont Grand Prix de Paris avec Cream qui a fait quelques manières en partant, qui se retrouve en dernière position, Kazakh Blanche. En revanche, le lauréat du Derby d'Irlande, Treasure Beach, a pris un très bon départ et c'est Séville qui finalement va se dévouer pour s'installer en tête de course. Méandre n'est pas loin, Kazakh Jaune, il est en 3e position, Mark Manship est en 4e position à la corde avec à l'extérieur Reliable Man, lauréat du prix du Jockey Club qui vient encore devant Bubble Chic qui est dans son sillage. Quant à Cream, le fils d'Eric Hanren, il est toujours en dernière position. Le début de la montée avec Séville qui est en tête, qui a pris un train régulier et assez soutenu devant Treasure Beach, le gagnant du Derby d'Irlande. Troisième place pour le 3, Méandre qui devance le gagnant du prix du Jockey Club, Reliable Man, le numéro 6. Avec ensuite côté corde, Mark Manship, Kazakh et Toc Gros Bleu devant la Kazakh verte du 7, Bubble Chic et la Ice Cream. Et les deux premiers du Derby d'Irlande qui ont donc l'avantage, c'est-à-dire Séville, le 4 devant Treasure Beach qui est en deuxième position à 2-3 longueurs encore. Il y a Méandre dans un peloton qui est étiré alors que Reliable Man est en 4e position avec Gérald Mossé devant Mark Manship, Kazakh Gros Bleu qui vient à côté corde. Alors que l'on retrouve ensuite notamment Bubble Chic avec à l'arrière-garde toujours Cream qui est monté par Michael Barzalona. La course est très sélective dans la descente de la grande piste sous l'impulsion de Séville avec Treasure Beach de Poulain qu'il ne faut pas laisser filer. Avec un peu plus loin Méandre, Kazakh Jaune, le numéro 3 qui a 5 ou 6 longueurs, de juste devant Reliable Man. Avec ensuite Bubble Chic, Mark Manship et toujours là Cream. Et les Irlandais ont décidé d'avancer avec Séville devant Treasure Beach qui est deuxième à distance encore. Il y a Méandre qui est en tête du peloton. Reliable Man se retrouve quatrième, mais à distance maintenant des deux premiers. À son extérieur, toujours Bubble Chic qui vient encore devant Mark Manship qui est toujours à l'arrière-garde, accompagné encore par Cream qui est en dernière position. À environ 700 mètres du but, c'est le 4 Séville qui est le meilleur. De longueur plus loin vient le 2 Treasure Beach. Beaucoup plus loin, 4 ou 5 longueurs plus loin, vient le 3 Méandre qui a dans son sillage Reliable Man, Bubble Chic. À l'extérieur, Cream se rapproche avec Mark Manship côté corde. Attention à Séville qui a encore l'avantage et à Treasure Beach qui maintenant est décalé de son sillage et qui maintenant est lancé en dehors. Alors que Reliable Man tente de progresser avec Méandre qui est côté corde. Bubble Chic tente de se rapprocher. Cream également qui vient à l'extérieur. Toujours Séville qui a le meilleur avec Treasure Beach à son extérieur. Avec Séville, le 4 qui a le meilleur à 250 mètres. Du poteau qui reprend l'avantage nettement, qui prend une longueur d'avance à Treasure Beach à l'extérieur. Reliable Man, Méandre, Kazakh Jaune vient de plus en plus fort. Méandre qui vient attaquer le numéro 4, Séville qui est encore le meilleur et c'est Méandre qui va s'imposer. Méandre qui prend le meilleur et qui s'impose. Méandre et Maxime Guillon s'impose devant le numéro 4, Séville. Troisième place peut-être pour Reliable Man, à voir avec Treasure Beach à distance. Bubble Chic est cinquième devant Mark Manship et Cream. Méandre s'impose dans le Gentleman Grand Prix de Paris aujourd'hui. Regardez la joie, le sourire de Maxime Guillon, c'est magnifique. On l'avait dit pour faire ce qu'il a fait la dernière fois, c'était mission impossible et il a fait et il le refait aujourd'hui. 11e Grand Prix de Paris pour André Fabre, grande victoire pour la famille Rothschild, propriétaire et à l'origine de la naissance de Méandre. C'est l'entraînement d'André Fabre, c'est Maxime Lyon, c'est un fils de Slickly. Deuxième place pour Séville qui a mené, les Irlandais ont tenté un truc, on va y revenir dans quelques instants. Troisième place pour Reliable Man qui a tenté de venir et qui a bien fini en pleine piste. Et quatrième, le numéro 2 Treasure Beach, le gagnant du Derby d'Irlande devant le numéro 7 Bubble Chic. On a assisté à une course avec une physionomie très particulière. On avait imaginé